Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle session de Brotato incroyable. Quoi, du Brotato sur cette chaîne YouTube? Mais jamais je n'y ai cru. C'est nouveau. Oh là là, il change tellement. Il est tellement voilà, multi-stream. Et vraiment, lui, il utilise l'ulti, c'est ça. Le multi-stream. Alors on va tenter de voir si Charling Girls peut se sortir de la sauce un jour. Et avec un lance-patate. Je pense que ça ne peut pas mal se passer. Je pense que ça ne peut que bien se passer. Oui, plantez des bombes. Allez-y, moi je vais planter des patates, vous plantez des bombes. Paf. Paf, paf, paf. Oh là là, là là, le RP. Le RP est en son paroxysme. Ah quoi? Mais oui, c'est vrai que c'est 1 sur 2. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Salut Serda, ça va? Quelle magnifique entrée. Serda toujours aussi pimpin. C'est pimpin, il est pimpin le mec. On va partir sur les dégâts à distance. De toute façon, la régène des PV max. Toujours plus de récolte. On va avoir besoin de récolte de ouf là. Par contre, j'aimerais bien avoir des dégâts à distance. C'est possible ça? Faut ma gueule? Ah oui, d'accord. Donc toi, t'as décidé de me foutre que des... Oh, d'accord, ok. Non, mais non. Non, mais c'est pas grave. Hein. Je le prends pas mal. Charling Girls, il est RP. Ça va, Serda? Attends, j'ai pas trinqué avec Serda, là. C'est quoi ce soir? J'espère que tu vas bien. Salut Azer! Attends, j'arrive! Je finis la vague là et je suis chez nous. Ah, par contre, faut que je récupère des trucs là. C'est vrai que je récupère un peu de ces trucs. Comment Azer, ça va? Serda, oui! Évidemment! Non! Oh là là! Juste avant, on parlait du streaming. Mon cher Serda, tu aurais été fort touché. Que je vous ai dit que je vous aimais fort. Plus d'arbres, oui. Un sceptre fantôme, oui. Ah, je veux bien le... Ok, ça je veux bien. Plus que deux examens et c'est fini. Ah, mais oui, c'est vrai qu'à Azer, ce matin, tu es en streamage. Tu es en examen. Ah, je suis arrivé en retard en plus. Je suis arrivé en retard pour pouvoir venir te soutenir. Quel piètre streamer je fais. Allez. Oh là là là, je gagne pas de pognon. C'est très efficace. Alors, un grand merci à toi d'être ce que tu es et on te souhaite de continuer comme ça pour longtemps. Merci beaucoup, Stellou. C'est efficace, je sais pas si c'est efficace. Je cherche pas à être efficace. Surtout, bon, pour ceux qui étaient là pendant que j'ai dit plein de trucs, mais on en reparlera. De toute façon, on aura d'autres occasions de parler un petit peu de tout ça, de l'évolution aussi, de ce que je vis, enfin, de ce qu'on vit ensemble aussi, de comment je le vis aussi. C'est vrai que j'en parle peut-être pas assez aussi de ça. Pas parce qu'il le faut, mais parce qu'en fait, je m'aperçois que c'est cool aussi de pouvoir le faire. Et c'est important, en fait, même pour moi, de pouvoir échanger autour de vous avec ça. Mais pas pour être efficace. Je cherche pas à être efficace. J'espère que vous l'avez pas pris comme une espèce d'appel au don, d'appel à... Surtout, ne m'abandonnez pas, ou je sais pas quoi, hein, bon. Y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Déjà fini aujourd'hui, hein. Après je go étudier les maths. C'est beau Azer, forza. Forza à toi, j'espère que ça se passe bien en tout cas, jusque là. Hop. Dégâts à distance, c'est un peu moins de portée. Oui, c'est pas mal. Ah mais arrêtez de me filer des sceptres fantômes, je m'en fous. Ouais, on va garder ça. Et ça aussi, c'est très fort. Ok.
Non mais sûr, je disais efficace parce que la joie est toujours présente sur ton stream. Ah, c'est chouette. Ok d'accord, non mais c'était pour être sûr. Et puis même c'était une occasion, je savais pas si tu voulais vraiment dire ça, ou c'était pas une critique, cher Stellou, j'espère que tu le comprends bien. Ou en disant, dis pas ça. C'était une manière pour moi aussi de vous le dire. Parce que vous savez pas, ce qui se passe dans ma petite tête. Ma petite tête tordue là. De type tordu. Non, je le tuerai pas. Par contre, moi, je vais peut-être mourir à essayer de le tuer. Les commandes. Kazoo, Tass, Moustache, Star Wars. Pff, mon dieu, secours. Et Magic Cookie. Ah, le Magic Cookie, je l'ai plus. Le Magic Cookie. Il a disparu, le Magic Cookie. Toi aussi, t'aimes les nanimals, alors profite de cet instant cute. Non, mais ça... Mais... je me souvenais même pas de ça. Équilibre-moi. Et pourquoi ça marche pas? Ah oui, ça tombe. Moi, je le vois pas, je vois pas l'emote. C'est normal? Ah mais parce que Stream Element n'est pas abonné, du coup, il peut pas y avoir les... Ah, faut que j'abonne Stream Element? Non, attends, je comprends pas comment ça marche. Parce que l'emote existe plus, je crois. Mais si, il existe. Bien sûr que si. Ah non, c'est où? Mais si, il est là. Regardez. Non j'ai failli tout casser. Ah pardon. Qu'est-ce que je veux moi? Des chances de crit? Ah peut-être hein. De l'esquive c'est pas mal aussi, mais on va prendre des chances de crit. Bon là vous faites chier là. L'argent. De l'argent. Merci beaucoup Akiro à streamer les mains. Mais oui, en plus c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais faut que je l'abonne Stream Elements. Putain, mais je savais pas. Mais je vais le faire. Non, mais le faites pas. Merci Akiro. Merci pour la science. Merci pour la science Akiro. Oh, vous êtes fous. Bon, je prends ça, c'est pas grave. Attends, c'est quoi déjà? Moins 1 d'armure. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Poisson rouge man. Mais je savais même pas, moi. C'est pour ça que je peux pas faire de commandes avec des... avec des emotes. Il y a la commande dimanche aussi. Hein. J'ai fait moi-même une commande, hein, sachez-le. Désolé, Juju, hein, je t'ai pas laissé faire, mais... D'habitude, c'est ton travail, mais... Pas piquer ton travail, Juju. Je prends des cartouches, là. Un peu tendu, là. Mais je suis mort. Oh, je fais n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Je la refais. Attendez, réessayez. Ah putain, merde. Il me faut de la vitesse. Mais ouais, mais comme il y a très peu d'XP, j'essaie de la récupérer comme je peux. J'avais jamais remarqué qu'il y avait les arbres aussi lâchaient des trucs. Ah, exactement. Non, mais c'est pas mortuary. C'est dimanche. Après voilà. Parce que j'ai créé ça. Merci à vous d'être là en tout cas, merci. Je rejoins Stello. La vitesse. Vas-y, je prends un peu de vitesse là parce que c'était cringe. C'était cringe de pas pouvoir fuir. Un lance-pierre. Oui, pourquoi pas. Putain, mais on a un lance-patate et un lance-pierre quoi. Mais c'est cringe un peu, non? À part s'il y en a deux. Ah, de la récolte. Ouais. L'esquive de la récolte, c'est pas mal, mais... Non. Ah ouais, mais alors là, on part là-dessus? On part là-dessus. Attendez, je vais le verrouiller, je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que j'ai assez d'armes pour gagner, là. Le petit sachet que lâche les armes donne de l'XP. Ah!
je savais même pas, le biscuit c'est de l'XP aussi. Oh. Ou c'est l'XP qui est à côté. Ok, vitesse d'attaque, vol de vie, récolte. Toujours plus de récolte. Donc on prend le lance-pierre. On peut prendre les moulettes. Ah d'accord, on est parti sur un build lance-pierre là, vraiment? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas convaincu de ouf. J'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre, pardon. Je suis pas concentré là. Je suis... comment dire? Je suis encore dans ma discussion avec vous là, de tout à l'heure. Ouais, parce que YouTube, on a parlé avec le chat. On a parlé à cœur ouvert. C'était beau. Surtout moi. Bon, voilà. XP, fais voir. Non, ça donne pas d'XP. C'est un mensonge. Par contre, il y a de l'XP qui arrive avec. J'avais jamais vu par contre que les arbres, ils lâchaient de l'XP. Plus de portée, de vitesse d'attaque. Un peu plus de vitesse. C'était cringe. Je veux plus revivre ça. Un peu moins de vitesse. Non. Plus de dégâts, oui. Un pistolet mitrailleur? Je sais pas. Pourquoi pas? On est sur un pourquoi pas. Je vais garder mes... Rose. T'inquiète, hein, Akiro. C'est le master, the master of the... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, esquive. C'est le master de la... de désamorçage. Master of the désamorçage. Ah, Soléna, t'es là tout à l'heure ou pas? T'es là, t'es dans le coin aujourd'hui ou pas? Pour le streaming. T'es deg, hein? Parce qu'on va regarder le documentaire sur la psychologie positive, sur le... dont on parlait la dernière fois. Les brûlures s'activent. Non, j'en veux pas, je m'en fous. Des dégâts à distance, des chances de crit, ça me plaît. On peut partir là-dessus, plus d'arbres, ça c'est cool. On peut partir là-dessus, on verra ensuite. Pourquoi pas. Est-ce que je veux... Non, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Voilà. Juste un examen à passer, mais je vais pas tarder à le faire. Et ça me prend qu'une heure, d'accord. Bah écoute, on va jouer... Ah, peut-être tu rateras le début du Dokudeki alors. Possible. Ok, on va peut-être jouer une petite heure. Je sais pas, là aujourd'hui, moi j'ai pas d'heure de fin spécifique. Je suis là, je peux même passer une partie. Vu que j'ai commencé à 10h, je passerai peut-être une partie de l'après-midi avec vous. Tu voulais juste ma mort. Non mais Akiro c'est un terroriste au grand cœur. Donc t'inquiète pas. Terroriste au grand cœur. Vous savez, c'est comme le voleur au grand cœur quoi. C'est un genre de Robin des Bois mais chez les terroristes. Je tue avec amour. Je prépare un tu mourras moins bête. Ah, tu peux en préparer un, on en regardera avec plaisir. De la chance. Ouais, je veux bien. Je veux bien un peu plus de chance. Un pistolet, c'est pas mal. En vrai, pourquoi pas. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Je pense qu'on va combiner et prendre un pistolet. Et ah merde, je peux pas le prendre. On va rendre demi-z. Ah, une arbalète. On a du médiéval. Ah non, c'est primitif ça. Non, c'est pas pareil. Primitif, c'est pas pareil. Ça donne quoi, primitif, déjà? Des PV max, d'accord. Ça donne de la portée. C'est pas ouf, hein. Et support, c'est quoi? De la récolte. Ça donne de la récolte de base, non? C'est pas ça? Non, ça donne pas de la récolte de base. Une hachette, non. L'arbalète, non plus. Nickel. Et demain, tu vas prendre ton colis, ouais. Je sais pas, il est arrivé, Il faut que tu me le dises, hein, quand c'est arrivé. Moi, je peux pas le savoir, hein. C'est toi qui es au courant, hein. C'est toi qui me dis, hein, Serda, d'accord. Pourquoi il arrive demain, c'est ça? Randomisé. Pourquoi il est arrivé? J'ai pas compris, s'il est arrivé... Je l'ai dit à MP Didi, mais tu m'as dit qu'il arriverait bientôt, mais tu m'as dit qu'il est arrivé ou il va arriver? Ah, il est déjà arrivé! Ah, mais j'ai pas compris, moi. Mais je vais aller chercher tout à l'heure. Je vais aller chercher tout à l'heure. Je le déballerai... Je peux le déballer dimanche soir ou pas? Je le garde, hein.
Un pistolet laser, sinon ? Bah oui, bien sûr, je vais aller chercher avant. Est-ce que je prends un pistolet laser ? Est-ce que finalement... Oui ! Ah bah très bien, alors je ferai ça. Dimanche, je le déballe. Je ferai un unboxing. Attention, hein, pas de dingues. Hein. Non, mais ça va, je sais que c'est ok. Je sais que c'est ok. Est-ce que je prends un pistolet laser ? Non, il me plaît pas le pistolet laser. Ça met trop de temps à tirer. Ça, non. Ah, par contre, ça me plaît bien. En vrai, ça me plaît bien, ça. On va rester là-dessus. Ok. Ah, tu sais ce que c'est ? Ah oui, parce que tu l'as demandé. Vous allez discuter un petit peu de comment envoyer les trucs. J'imagine. C'est très bien. Un problème. Enfin, un secret. Enfin, un secret que Solena m'a déjà envoyé un petit truc. Petit mais mignon. Petit mais il est là. Hein. Il est là. Il est là. Mon Totoro. Moi, c'est un Totoro. Moi, je le vois comme un Totoro. C'est ok pour toi, Solena, bah ça sera mon Totoro. El Totoro. Del amor. Pas de la mort, hein. Del amor. Alors, les biscuits donc ne donnent pas d'XP, hein. Attention. Je peux te faire un vrai Totoro, tu sais. Bah ouais, j'ai leak. Savoir si je finirai en prison ou pas, quoi. Tu vas pas finir en prison. Tout va bien. Est-ce qu'il récolte moins de dégâts ? Allez, peut-être je peux le prendre au moins une fois. Vitesse d'attaque. Il y a peut-être un truc plus sympa là qui peut... Ah, bon, un peu d'esquive, allez, pourquoi pas. J'aime bien. Allez, c'est parti. On va combiner ça. On va prendre ça. Ah, j'ai pas assez de thunes, merde. J'avais pas pensé à ça. Oh. Est-ce que j'en veux plusieurs ? Oh. Alors attendez, parce que là, il y a des trucs à faire, là. Quelque chose à faire avec ça. Je veux le pistolet. Ça tire... Ouais, ça tire pas de ouf, mais c'est toujours mieux. Ok, on va voir. Un vrai Totoro. El Totoro. Non, en vrai, je reviens là-dessus, vraiment, ça me titille, mais... j'ai vraiment envie de faire une... que ça soit une belle chose en fait, que cette chaîne, cet endroit en fait là, sur Twitch et sur YouTube aussi d'ailleurs, pour vous YouTube c'est pareil hein, pour vous c'est pareil YouTube, bah j'ai envie que ça soit une belle chose, que quand on vient ici on dit ah c'est cool, ça fait plaisir, et pas genre ah ouais c'est génial, il est formidable, c'est pas tellement moi, parce que c'est comme quand j'accompagne quelqu'un en tant que spicologue, quand la personne va mieux, c'est pas toujours le cas tout le temps. C'est ce que je souhaite. Mais même si quelqu'un me dit « Ah oui, c'est grâce à vous », c'est pas vrai, c'est pas grâce à moi. C'est pas moi qui ai fait le truc, quoi. C'est la personne qui a fait le truc au maximum. Et c'est ensemble, on l'a fait ensemble. Je dis pas que je fais rien, que ça sert à rien. Je fais « Non, moi je n'ai rien fait, c'est vous. Bah, pourquoi je te paye alors ?» C'est une très bonne question, ça. Bref. Donc, ouais. Un gros lance-pierre en... Vas-y, on va faire un gros lance-pierre avec un gros fusil à peupon, un lance-patate de ouf et un drapeau blanc. Mais j'étais pas là dimanche ? Comment ça ? Explique pourquoi sur Didi je suis curiosité. Je suis un collègue modo, alors... De quoi ? T'es pas là dimanche, Juju ? Ah non, mais il peut pas ne pas être là dimanche. C'est impossible. Ça fait longtemps qu'on aurait été au courant s'il était pas là dimanche. Bref, tout ça pour dire que des fois je finis pas mes phrases vu que je pars à droite et à gauche et j'oublie de finir mon propos. Pour toutes ces fois où je finis pas mes phrases et je vais pas au bout de mon idée, je suis désolé. Surtout... Ne m'en voulez pas. Je fais de mon mieux. Hein. De mon mieux pour pas perdre la boule. Aïe aïe, oh la cartouche. Oh là là. Vive l'esquive hein. Je récupère des trucs quand même. Va se voir là, j'ai pas de thunes. Oh là là, mais pourquoi je prends aussi cher? Parce que j'ai pas d'armure, ok. Ça j'en veux pas. Ouais, de l'esquive, pourquoi pas. Dégâts de mêlée, 5 dégâts à distance. Moins 2 d'armure et 5% de vitesse en moins.
À moins 2 d'armure me plaît pas trop quand même. Je peux peut-être le verrouiller. Non, non, vas-y, c'est trop dangereux. Par contre, c'est vrai que 5 dégâts à distance, ça ne serait pas dégueu. Ouais. Moi, je sais c'est quoi. D'ailleurs, t'es mis modo sur le Discordo. Ah, c'est beau ça. Et moi, j'ai le droit de dire un truc ou pas? Ok, bon, ben, je vous laisse hein, sur votre Discord, hein, du coup, pas de problème. Hein. Ah merde, un pistolet 2. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous rendez compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. À tout à l'heure, Soléna. Mais c'est bien ce que je pensais, ouais. C'est bien ce que je pensais en termes de... Je vais recycler. Je sais pas si je prends pas ça quand même. Ah. Ah. Au secours. Serda, pardon, je me suis trompé. Ah, d'accord, ok. Je me disais. Oui, d'accord, là, ça a un peu plus de sens. Le prends pas pour toi, Akiro. Hein. Mais même, Juju, dis-le-moi avant. Même si, bon, oui, là, d'accord, je comprends pourquoi tu fais ça. Parce que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi pas, hein, mais... C'est pas par rapport à Akiro. C'est Akiro ou n'importe qui d'autre. Gekidi? J'espère que tu le prends pas mal, Akiro. Hein. Tu comprends l'idée. Plus la forme. Est-ce que je prends ça? Non. En vrai, non. Non, je vais garder mon pognon. Pourquoi Akiro, il est pas spécial? Ah oui, c'est vrai. Mais oui, ça. En gros, tu as modo sur Didier aussi, Serda. Oui, oui, non, c'est parfait, non, mais j'ai compris. Du coup, maintenant, je comprends, mais du coup, ça a du sens. Tout va bien. Mais voilà, non, c'est tout. Je pense que vous comprenez mon questionnement. Je veux dire, ah bon? On m'a rien dit, moi. Parce qu'après, Akiro, modo sur Didi, pourquoi pas? En vrai. Allez. Tiens la patate. Il faut mourir, ouais. Allez, je me concentre parce que je sens que je peux mourir à tout moment. Todo el mundo, a todo el tiempo. Pas du tout comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Ok. Ça n'a rien à voir avec les 200 euros que tu m'as demandé, du coup, Juju. Non, ça, tu peux le donner, ça n'a rien à voir. Le bot pète les plombs et il veut que je leak des choses. Ah non, non, tu leak rien. Je voudrais savoir, moi. De l'esquive, des dégâts à distance. Peut-être des dégâts à distance aussi, à un moment donné, ça va se voir, non? Bon, une belle esquive de 30%. Dégâts élémentaires. Ah, j'y ai cru. Ah, une belle vitesse aussi. Ouais, de la belle vitesse. 30 de portée aussi, c'est pas dégueu, mais bon. Prends la fuite. Toujours plus d'arbres. De la portée d'attraction, de la récolte et un peu moins d'esquive. En vrai... Plus de chance. Randomisation. Puis ce mitrailleur. Ah, dommage. Ça, c'est pas mal, mais on a moins un d'armure, c'est pas bon. Hein. Après, la récolte. Non, non, non. On va. Ça, c'est pas mal. Ah merde, j'ai pas assez. Je pensais que j'aurais assez. Non, j'ai mal calculé. On va prendre un comme ça. Oui. Très bien, ça. T'as très, très bien, ça. Ça, c'est. Très très bien ça. Allez, je reroll. Je go plutôt. Je reroll pas. Paf paf paf. Allez, c'est Bardzi. C'est Darty mon kiki. Ploum 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 ploum. Ploum 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 ploum. J'adore ce bruit.
c'est pas le même bruit que le pistolet médical d'ailleurs. Les patates là. Ouais, ça c'est le meilleur son du jeu, c'est celui-là. Ploum 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 ploum. Attention, attention mec. Oh, le décès est imminent ou pas. Non, il va falloir que je fasse des esquives là. Faut que j'ai surtout que j'ai de l'armure. Y a rien qui me soigne, je ne me soignais pas. Putain, j'en peux plus, c'est tellement dur. Faut que je me tankifie un peu, putain, mais mon build il est pas si mauvais que ça. J'ai passé une vidéo d'un gars qui utilise des bugs sur le jeu. Non mais en vrai je suis pas concentré aussi là. La vérité, je suis pas concentré. Là, c'est bon. Il utilise quel genre de bug? Putain mais Charlingal dans la sauce là, hein. Le fermier il y arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas le fermier. Et quand je dis le fermier il n'y arrive pas, c'est moi évidemment. Je l'ai pas eu. De la portée, des PV max, hein, de la récolte, bah, un peu de récolte, dégâts à distance. Il manque peut-être le bug skills. C'est ça, j'ai un bug skills. Non mais... le jeu qui me troll. Peut-être qu'il faut pas jouer à distance parce qu'il me donne quand même beaucoup d'objets en dégâts de mêlée, tout ça. C'est quand même chelou, non? Mais il n'y a que des dégâts de mêlée! Ah ouais, d'accord, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a des persos où on te dit tu peux pas jouer à distance, arrête. Fous-moi la paix. Bah, je vais refaire la même, hein, mais ça va être la même sauce, quoi. Peut-être que... Peut-être c'est moi qui me... Peut-être qu'il faut juste que je suive le mouvement dès le départ. Est-ce que je peux avoir... Ouais, merci. Et que je prenne un peu d'armure aussi. Pourquoi la vidéo est plus longue que mon avenir, c'est-à-dire quelle est cette phrase dissidente? Des dégâts de mêlée. De la portée, dégâts à distance et de l'armure. En vrai, ce 32 portées me fait de l'œil quand même. A toute fin utile, la vidéo où il explique les bugs. Ah d'accord, ok. On regardera ça tout à l'heure. Ah, le saucisse effrayé. J'aurais pas assez pour tout prendre. Je crois que je vais prendre... Pas prendre ça. Prendre ça. Ça. Et ça. Un peu moins de portée. Ouais, ça on peut le verrouiller aussi. Le silex, no way. No way. C'est un commentateur de tennis, ça. Il a une voix comme ça, un commentateur anglo-saxon. Des fois, quand il se passe des dingues sur un match, il fait no way. Avec une voix un peu aiguë comme ça. C'est trop drôle. Ça, vous avez la ref. Vous pourrez briller en société. À Noël, là, vous pourrez sortir. Ah, no way, mamie. Ah, si, mamie est là, pardon. Toutes les mamies ne sont pas là. Oh, joli. Prendre ça. On n'a pas de chance. Bon, c'est pas grave. Dégâts de mêlée. Un dégât à distance. Armure. On prend un peu d'armure, là, parce que tout à l'heure, c'était cringe. J'ai senti la cringe attitude. Elle était pas loin du tout. Vitesse d'attaque, je veux bien. Et on a zéro régène. Ah ouais, on se soigne pas du tout en fait. C'est pour ça aussi que c'est cringe. On peut pas être partout, hein. Une occasion de raccourcir ton avenir, Akiro. Il prend des bébés et il gagne quoi? Tu parles de toi là? C'est ta nouvelle vidéo YouTube? C'est un titre accrocheur en tout cas. C'est un peu putaclic comme titre, mais bon. Voilà, chacun ses ambitions. Hein. Je respecte. Hein. Enfin, jusqu'à un certain point quand même. Hein. Ça,
114. Je sais pas si je suis censé... Vitesse d'attaque, oui. Gain de distance. Plus d'armure. Ok. Non, y a rien de bien là. De la régène serait pas mal aussi à un moment donné. Du vol de vie. On va le verrouiller, on va essayer de jouer. Ça a marché. Et si mamie est décédée, on peut le faire quand même. Limite comme une blague. Alors après, ça c'est vous qui voyez. Moi, je connais pas le degré de... Comment dire, d'ouverture de votre famille. Hein. Sans que ça crée du malaise. Je sais qu'il y a des familles, des fois, vous savez, on me parle quand même. Ouais, je rencontre des gens. Dans mon travail, je rencontre quand même pas mal de gens. Et des fois, on me raconte des trucs. Ah, mais moi, ma famille, voilà. On se retrouve à 11h pour Noël. À 11h15, tout le monde est bourré et s'insulte et se tape dessus. Hein. Ah ouais. Et ouais. Et ouais. Ah, dommage. C'est dommage parce que j'avais des trucs sympas quand même. Ça, par contre, je suis pas content là. Bon, je vais prendre un peu de régène, mais c'est ridicule. Pas bah, normal, hein. Ah ouais, alors comment te dire, un serpent, c'est pas mal, ça. On va investir dans un pistolet laser. Allez, pourquoi pas, je le prends jamais, le pistolet laser. Et on va prendre ce casque. Go. Tu as déjà fêté Noël chez moi, Equilibrium? Noël chez toi, c'est-à-dire? C'est-à-dire. La magie de Noël chez 0D? Je crois pas. Ah non, pardon, d'accord, ok, pardon. Non, mais j'étais en train de... Chez moi, je croyais sur ta chaîne. Putain, j'étais pas du tout là. Non, non, non. Non, je crois pas qu'on en ait discuté. Je pense pas que tu sois un de mes patients. C'est pas que je sache. Je prenais l'exemple de mes suivis de psychothérapie. Mais j'espère pas, j'espère que c'est pas vrai. Parce qu'après je dis ça, c'est, je sais que c'est possible hein, que chez vous, à un moment donné, ça soit ou ça ait été comme ça. Et je suis tout sincèrement... Ah, t'as décrit exactement comme ça que... Ah bah non, j'espère pas hein, en vrai. Hein. J'espère pour vous que non. Hein. Je file manger à la maison les enfants. Des hiboux Arconte, et merci encore pour ton resub. Merci pour ce 7e mois de zizir. Aligato. On me file beaucoup de dégâts élémentaires, c'est bizarre non? Ça je prends. Ah, les deux dégâts de distance aussi étaient pas mal quand même. C'était pas mal. On peut combiner ça. Non. Ça c'est bien. Moins zone d'armure, non. On verrouille ça. Et on y va. Allez, c'est parti. C'est parti là. Là j'ai envie là. J'ai envie que ça marche là, j'ai envie de faire un truc là, je... Personne où aller en famille, ça a commencé à midi chez la grand-mère pour finir à 23h. Wouah, c'est si long, si long. Non, moi j'ai jamais fait des Noëls aussi longs. On faisait des repas, on se retrouve, c'est toujours un peu le cas. Même si là en ce moment, je sais pas vous, mais l'esprit de Noël, la famille, on se retrouve, on fait des repas et tout ça. J'ai l'impression aussi que Covid, ça a cassé des trucs. C'est un peu comme si peut-être, je sais pas, hein, mais un peu comme si peut-être le fait de pas avoir eu à faire Noël, comme si on avait été obligé de le faire jusque là, et bien ça a fait du bien un peu à tout le monde. Je dis pas que c'est mon cas, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Parce que c'est pas la première fois que j'entendrai cette phrase, tu vois, souvent les gens me disent « Oh, j'ai pas trop envie de refaire. » Esprit de Noël, je l'ai bouffé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Noël en famille, perso. D'accord. Ça, on peut prendre en espérant qu'on trouve quelque chose de l'ordre de... De l'ordre de la déchiqueteuse. Ah, ça me plaît aussi. Voilà, bon, là, on va pas... Est-ce que j'ai assez de pognon? Oui. On va pas tortiller du huc. Est-ce,
que j'ai assez. Ouais, j'ai 10 de régène, il y a moyen. J'ai un pistolet médical. Allez, j'y crois. Ça me permet de randomiser gratuitement. Gratuitement. Ok. Je sais pas où je vais là. Hein. Je sais pas vraiment où je vais. Je suis pas sûr de moi, mais. On va voir. Parfois, il va bien falloir que je profite à fond de ce Noël parce que ce sera sûrement le dernier que je ferai en famille. C'est vrai? Force à toi, c'était loup. Quelles qu'en soient les raisons. Bah écoute. Je te souhaite en tout cas qu'il soit le plus agréable possible. Si ça doit être le dernier, d'une manière ou d'une autre. Espérant que. Ce soit pas trop grave aussi. La raison pour laquelle. Ça soit le cas. Bon, un peu de mal à y croire, mais. C'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu flippette. Mais j'imagine que tu nous dirais pas une dengue. Ok. Je reviens, d'accord. Des hiboux cerdins. À tout à l'heure. Je ferai peut-être une imout de l'urk. Une imout de l'urk. Ce serait bien ça. J'ai 6 de vitesse. Je le prends. Ah! Oh! Oh! Ouais. Une mode de raid aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah peut-être, ok. D'accord, je vais essayer de m'occuper de ça. Je sais pas quand, mais je vais essayer de m'en occuper. J'aimerais bien verrouiller tout, en fait. Tout est bien, là. Ça, je suis pas sûr, mais... De l'esquive. On a 0 d'esquive. Ah ouais. C'est un peu cringe. Non, vas-y. Je vais garder mes dégâts quand même. Ben, tu te doutes bien connaissant des choses sur moi, du pourquoi, du comment. Mais ça va aller. C'est la vie et je suis déjà content de pouvoir le faire une dernière fois. Merci à toi pour le courage. Bah oui. Non, mais oui, mais je veux pas. Bon, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y aura des choses qui soient dites là, c'est pas moi à les dire. Je reste évasif. Vous voyez ? Hop 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 là-haut ! On sort pas de la pose comme ça là. C'est quoi ce jeu qui sort de la pose tout seul ? C'est fou ça ! Non mais dites donc vous ! Oh là là le petit chat ! Oh que ce chat, ça c'est un chat ça. Ça c'est un chat. Oh oui. Ça va ? Ça va chaton ? Oh oui. Oh là là. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je peux plus bouger ? Mon perso il bouge plus. Allô ? Vraiment ? Salut Tuning ! Tunings ! Ah, c'est cringe, je peux plus bouger. Il y a eu un bug là. C'est dommage parce qu'il y a plein de pognons là qui m'attendent et... Ah, attendez, je prends le clavier. Attends, arrête. Attends, je vais jouer au clavier. Au secours. J'espère que ça va partir là parce que moi j'ai pas envie de finir la run au clavier hein. C'est un enfer là. Au secours. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il fait quoi là Jean-Mich? Hey, salut Tunings. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Dis bonjour à Tunings. Bonjour Tudigs. Bravo. Pourquoi tu prends la voix de Dooley? Bah oui, oh il se cache. Regardez, il se cache. Bah alors. Alors pépère, tu te caches? Bon, j'espère que ça remarche. On va voir. Est-ce que je la prends? Non, je recycle ça. Ça, oui, pourquoi pas. On peut prendre ça. 9 d'esquive et de la portée. Ouais, 9 d'esquive, c'est beau quand même. Récolte poussée. Une déchiqueteuse. J'en prendrais bien 2 quand même. Je prendrais bien 2 déchiqueteuses en vrai. Parce que là, on a plus 15% de dégâts.
Salut Linux, j'espère que tu vas bien. En tout cas, installe-toi bien comme notre chère communauté est en train de te le proposer. Est-ce que tu connais le jeu, dis-moi? J'imagine que tu arrives aussi par le biais de Brototo. Ouais, ici c'est Brototo. Hein. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des... Bah voilà. Alors voilà, cette communauté prend un malin... Merci pour les sous-titres. Merci pour les sous-titres. Quand il y a ce point de chaîne qui pop, je suis obligé de me taire pendant le point de chaîne. C'est comme ça, je me suis engagé, et je continue à le faire. Vol de vie. J'ai presque envie de prendre ça. Et garder la déchiqueteuse pour voir s'il n'y a pas des meilleurs trucs qui vont arriver plus tard. Je parie sur l'avenir. Regardez. Paf. En vrai, ça c'est pas si mal parce que j'ai vraiment aucun PV. Hein. C'est non. Cette communauté, c'est surtout Serda, oui. Oui, non, mais c'est faux. Il n'y a pas que Serda qui aime, comme il l'a dit lui-même, c'est non. Je veux deux déchiqueteuses en réalité. Je crois que c'est mieux. C'est pour le mieux. Faut vraiment que je fasse plus de dégâts aussi. Ah oui, du coup ça marche. J'avais même pas fait gaffe, mais du coup ça marche. Pas pourquoi tout à l'heure ça a bugged. La manette a pété les plombs. Ou le jeu, je sais pas trop. Au secours. C'est bon. Ah. Ok. Donc, on tente de jouer, pour ceux qui débarquent aussi, on sait jamais. Comme Tunings. On tente de jouer le fermier. Et bah c'est une sacrée sauce hein. Un perso full récolte là. C'est terrible. En vrai c'est terrible. Et qui gagne avec le fermier. c'est une bonne prédic ça. Oh ça c'est pas mal ça. Sauf qu'on sera à moins 1% de dégâts. Ça me plaît moyen mais à moins qu'il y ait des dégâts. Ouais mais bon ça va se voir là. Dégâts à distance. Vas-y. Ah mais là, j'ai pas le choix, là. Un pistolet médical peut être utile. Oh, mais là, mais... Oh, du coup, des chaînes par-ci, par-là, même si... même sans vraiment porter d'intérêt réel à Brototo, pour l'instant, ça fait plaisir. Bon, bah, ça va. Brototo, alors, si tu saches que Brototo, El Famoso Brototo, si tu connais pas trop Brototo, c'est un jeu de survie, un peu, quelque part, hein, Survivor. Et Dimanche, Mortuary Assistante. Ah oui, bah alors, oh, non, hein. Attendez, excusez-moi. C'est bon. Je me rassure. J'essaie de me rassurer comme je peux. Bonjour chaton. Alors, est-ce que... Je crois que je vais virer... Putain, c'est ça qu'il faut faire. Regardez. C'est ça qu'il faut faire là. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah c'est pas si mal. Je crois que j'ai pris un truc bien, non? Oui c'est ça, de la vie, c'est pas mal. Je vais verrouiller le lance-patate et on va voir ce qui se passe. Je peux pas laisser un lance-patate 4 comme ça, dans la nature, on est d'accord. La mitraillette quoi. Quand on a aucun vol de vie, ça c'est dommage. Tu vas pas laisser ce lance-patate. Mais c'est pas sûr qu'il me fasse gagner en vrai. Hein. En vrai c'est pas sûr qu'il me fasse gagner ce lance-patate. Donc ouais, je sais pas si tu connais Tunings, les Survivor-like, on va dire ça, les Vampire Survivor-like. Il y a quelque chose de l'ordre du... c'est à mon avantage. De quoi? Les lance-patates? Je sais pas. Donc du coup là, on doit survivre à des vagues. Il y a 20 vagues en tout. Et à chaque fin... les vagues ont un temps défini. Faut que je tienne ce temps, en fait, faut que je survive le temps de cette vague. Et à la 20e vague, il y a un gros boss. Et on gagne la partie, on gagne une partie en tout cas, on gagne la partie avec un personnage. Quand nous avons soit survécu à la vague, la dernière vague, c'est-à-dire le temps qu'elle dure, ou soit quand on a tué le boss. Donc si on tue le boss au bout de 10 secondes, ben, on a gagné. Et si on... Et la vague, je crois que la dernière vague, je sais plus combien elle dure, une ou deux minutes peut-être. Je sais plus. Ça va tranquille? Ah, les griffes du chat. Ok. Donc voilà.
Les perforations, chance de crit. J'ai zéro chance de crit. C'est cringe tout ça. Il y a un côté cringe. Par contre, filez-moi des trucs. Ah! La vérité. Ah là là. Ok, je vois. Je connais de loin pour l'instant. D'accord, ok. Et après, bon, voilà, ça va être la tentative de survie comme on peut. Est-ce que je repars sur un build explosif? Je garde ce lance-patate, mais ce lance-patate, il m'emmerde, en vrai. Ce lance-pierre, là aussi. Mais 8 dégâts avec une déchiqueteuse, c'est pas beaucoup, quand même. Hein. Ou alors... C'est vrai que la déchiqueteuse fait pas beaucoup de dégâts, comment ça se fait, ça? Plus de dégâts avec... Et ça fait des dégâts explosifs. Ah! C'est cringe. Non, ce lance-patate, il me fait chier en vrai. J'en veux pas. Ou alors je le remplacerai par celui-là. Ouais, c'est pas bête, ça, remarque. Et du coup, j'enlève ça. Et je mets ça. Je parie là-dessus. Et peut-être qu'à la place de ça, avoir un lance-patate 4, c'est peut-être mieux. Allez, on fait ça et on y va. On va voir, on va tester déjà comme ça, et puis on va voir si ça tient. Ah, c'est vrai qu'il y a un boss là. C'est la vague 12. La vague 12, il y a toujours un truc, il se passe une dingue. Et tu fais quoi toi? Ouais, tu ponds des œufs, c'est vrai. Tu ponds des œufs, le bâtard. Aïe. Bon, je le tuerai pas, mais faut juste que je survive là. Je le suis un peu parce que s'il pond des œufs après. Il lâche des gros mobs là. Qui ont pas mal de vie. Ah, reviens Michel. T'es où? Il s'en va. Oh, je vais crever. J'ai plus le pistolet médical. C'était l'erreur. Attendez, là c'est pro, pas sûr. Hein. Oh là. Oh là là, oh là. Un biscuit, merci pour les biscuits. Putain. De l'argent. Oui. Oh, merci beaucoup Serda. Merci beaucoup Serda pour l'abonnement offert à Tunings. Merci. Oui. Calmez-vous. Au secours. Oh là là. J'ai failli mourir 1000 fois. Au point. Je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait en tout cas. On a la couronne. On a une magnifique couronne là. Parce que ça serait pas mal. C'est pas mal, mais il me faut des dégâts un peu là. Hein. Ah non, j'ai 288. Pour un lance-patate. Bon, maintenant, je vais garder ça. La récolte aussi, c'est pas mal. Hein. C'est le nouveau Beverlando. C'est ça. Non, mais laissez le temps aux gens d'arriver. À un moment donné. Mais non, mais... Au secours. Mais non, Serda, claque pas ton... C'est non. Je ne serai pas le nouveau bébé Orlando. Merci beaucoup, Serda. Merci pour ces 5 abonnements offerts. Tu es fou, mon Serda. Merci pour Sosa. Merci pour Sosa, pour Moxie. Merci pour Shram. Merci pour Dim Bolto. Dim, le fameux Dim Dim. Et merci pour Milio. Ah, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Là, j'avais mes deux mains sous le chat. Je ne pouvais pas bouger. Incroyable. Merci, mon Serda. Mais tu sais, te laisse pas embarquer, hein, parler. Te laisse pas embarquer. Alors, attendez, qu'est-ce que je prends? Est-ce que j'enlèverai pas ça? Est-ce que ça, c'est pas mieux que... Ouais, si, quand même. Ah, je sais pas. Allez, j'enlève ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Surtout, ne m'en voulez pas. On va voir si ça arrive à tenir. On va finir par croire que t'es devenu modo à cause du fric. Mais non, pas du tout. J'espère pas. Hein. Je serais pas content hein, sinon. Moi, que ce soit modo, viewer, lurker, tout ça. Voilà.
C'est avec l'envie et le cœur, sinon... Sinon non. Peut-être que c'est vol de vie qui me manque en vrai. Avec des mitraillettes là comme ça. Mais c'est si lent à monter un build vol de vie je trouve. À part s'il y a un... s'il y a un truc dès le départ. En plus quoi. Comme avec le malade par exemple. Avec Bernard. Le famoso Bernardo. Ah il me chatouille. Ah! Putain je vais crever encore hein. J'ai pas assez de survie hein. Je vais mourir. Je crois que j'étais mort. Non, secours. Du coup, je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Et comme j'ai une bonne note, je suis heureuse. Bravo! Bravo! Dégâts à distance. On va prendre un peu d'armure là parce que je sais pas quoi faire. On repousse. Récolte. Ouais, mais là, les gars, ça va se voir là. Une baguette élème. Qu'est-ce que je m'en fous? Marteau à plasma. Mais non, non. Ah non, non. 25% de chance d'exploser au contact. En vrai... Mais ouais, mais j'ai aucun dégât de mêlée, quoi. Et 4% de dégâts. Oh là là, au secours. Ah. Je sais pas si je garde ça. Tu sais, je gagne des PV max, quand même. Et peut-être que... Les chances de crit, peut-être qu'il y a besoin de ça. Ouais, moins d'armure. Allez, vas-y, j'investis dans les chances de crit. 10%. C'est peut-être ces 10% qui vont changer la donne. Au secours! Je reste en lurk, d'accord, on va aller faire du rangement, puis sport, puis ménage, j'ai pas envie, hein. Ah bah tu m'étonnes. Merci en tout cas pour le lurk. Merci pour ta présence, c'était lourd en tout cas. Et merci pour tes petits mots tout gentils tout à l'heure aussi. T'en parlais de mon projet de streaming et tout ça. C'est beau, t'es gentil et c'est chouette de sentir votre soutien. En vrai, c'est important pour moi aussi. Donc, aligato. Bon courage pour ta journée, merci pour le lurk et à des hiboux. A bientôt. A bien brototo. Me casse. Je vais vraiment pas assez vite aussi. Il me manque un poil de vitesse là. Attention. Dangereux ça, c'est dangereux. C'était bien. On me l'a jamais faite celle-là. De quoi? On t'a jamais fait quoi? Bon courage. M'en fous, quand tu verras mon cadeau, ça vaut tous les subs du monde. Oh mon dieu. Tu fais pas de dingues, hein. J'espère que c'est pas une dingue. Hein. Un peu de vitesse? Non, quand même, je suis à 15 de vitesse, je comprends pas. Un peu d'esquive. Des PV max. Non, je vais prendre de l'esquive un peu. Ah! Un pistolet médical 2. Un pistolet mitrailleur 3. Bah, si j'avais du vol de vie, peut-être, mais... Ok. Test d'attaque. Peut-être ça, c'est pas mal, en vrai. Est-ce que je prends un pistolet médical? Ah, mais non. Hein. Je veux... Oh! Petite déchirure, là. Sauf que je mettrais que 12. Et moins 12 de récolte, et non. Est-ce que je mets des... Je fais griller tout le monde, peut-être, pourquoi pas. Ah, ça c'est beau. Là, on est sur un truc sympa. J'aurais peut-être dû la mettre à la place du sceptre. Ah, peut-être mon erreur, là, c'est peut-être mon erreur. Et non, ça marche pas. On va verrouiller ça et on va garder notre pognon. Peut-être. Peut-être que déchiqueteuse... oui, c'est ça. Déchiqueteuse et patate, là. Et lance-patate, c'est peut-être ça, notre build. J'aurais peut-être dû faire ça. Et en même temps, une petite déchiqueteuse au niveau... Ah oui, mais alors attendez. Si. Non, en fait, non, c'est pas con parce que c'est 80% d'explosion. Et on veut de l'explosion. Non, mais ok. Non, c'est pas déconnant. On verra peut-être pour plus tard. Si on trouve d'autres trucs, un petit lance-roquette ou un truc comme ça... Ok. Allez. Alors on y croit là. Déjà, des builds qui sont arrivés ce matin, c'est le seul qui a l'air à peu près viable. Pour l'instant.
Là on s'emballe pas, on est vague 14. Et c'est vrai que le soin manque. Hein. Bah la preuve. Submerged, submerged. Allo allo. Où sont les arbres? Aïe. Ça peut arriver si vite. Ça peut arriver si vite. Mais qu'est-ce que vous avez à appeler là? Oui, ça c'est gratuit. Vol de vie. Non, je suis trop loin. De la chance, des dégâts LM, de la vitesse. Non. De la régène ou de l'armure? Ah! Un peu plus d'armure, un peu plus de régène. Plus de régène. Ah, je sais pas. Des chances de crit. Ouais. On va parier là-dessus, hein. Oh, ça c'est... Tant pis, hein. On va partir là-dessus et... Ça c'est inévitable. Indispensable. Oh putain, pardon. On n'a pas beaucoup de chance. On dirait pas, mais... Il y a une prédit, on dirait bien, ouais. D'ailleurs, vous trouvez pas que Jeff a un air à Xavier? Hein? À Xavier qui? Je veux dire, Jeff Bezos ressemble à, à MV? Attends, oh, tu vas où là? Oh là là! Il est fou le mec. Ah, Xavier, Xavier d'un X-Men. Je me disais aussi... Les PV max, c'est un peu moins d'esquive. Non. Le professeur. Mais non, le professeur. Pour moi, tu sais, on est sur Twitch, là. Xavier, pour moi, c'est MV. Bon, ça fait un peu genre, je le connais. Pas du tout. Hein. C'est un prénom. Le prénom Xavier m'évoque ça. Je connais... J'ai pas de Xavier dans, ma... dans mon entourage. Alors, c'est cringe ce que je vais dire, mais à part MV... Bon... Faut dire que c'est un des streamers que je suis le plus depuis, depuis plus de 10 ans, donc forcément, il fait un peu partie de ma vie indirectement, malgré lui. Même s'il a rien demandé, évidemment. Ça va, chaton? Ouais. Le chat pète les plombs, mais c'est pas grave. Il a des soubresauts là, je sais pas s'il rêve de trucs chelouches, mais... Allez, on zigzag. On zigzoug. Oh là là, doucement, doucement. Eh Zidane là, j'ai perdu en esquive. Hein. Je trouve que j'ai perdu en capacité d'esquive. Ouais, complètement même. Oh, j'en ai laissé pas mal par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais non, dommage, ça marche pas. Plus 2 régénération de PV pour tous les moins 1 de vitesse. Non mais j'aurais même pas moins de vitesse. Moins 30 de régène. Eh ben cher. Ok vas-y. Dégâts à distance. Y'a pas un truc mieux là? Genre ça c'est pas mal ça. Le chat rêve de MV et en X-Men. Ça doit être ça ouais. Ça doit être ça. Lance patate 3. Ah! Ouais. Allez ok. Recycler. Ça fait mal un peu de faire ça, mais c'est pas grave. De l'armure. En vrai, il y a peut-être mieux à faire. Petit coupon. Un taser. Ça, c'est pas mal. La vitesse d'attaque en moins. 34 de vitesse d'attaque. Toi, tu vas descendre, toi. Au revoir, petit chaton. Au revoir. Non. Non. Ah putain, il arrive maintenant, le lance-patate 2, quoi. D1. On décale mes rendez-vous. Quoi? Des dégâts LM de la portée. Ça, c'est pas mal, en vrai. Et 10% de dégâts. Allez, vas-y, on verrouille ça et on va chercher le reste. J'espère que les... J'espère que ça sera suffisant.
Avec faire évoluer Eddie Shiktus, c'est intéressant parce que on augmente la probabilité d'explosion en fait. J'ai baissé un peu le son. J'ai l'impression que c'est plus fort que d'habitude. Zbardzi. Ah, le lance-patate quoi. Alors ce qui est pas mal c'est que ça repousse. Alors il y a des mobs quand même qui sont pas du tout repoussés. La poussée, ils en ont absolument rien à péter. C'est triché quoi. Oh là là, ils vont me défoncer. Ils vont me défoncer. Ah, ils ont anticipé. Oh là là. Oh là là, mais si je galère maintenant là, je vous dis pas comment ça va se passer là. Vitesse d'attaque. Oui, oui. Oh là là. Ah mais là, oui, si, 20% de vitesse d'attaque là, ça pique un peu quand même. La régène. Oh. En vrai, ouais. Bien sûr. Dégâts de mêlée, non. Dégâts à distance, portée, vitesse d'attaque, chance de crit. Oh, alors attendez. Ça se calcule, ça. Ça se calcule. 5 dégâts à distance, ok. Alors attendez, balle lourde. La vitesse d'attaque est importante quand même. Mais peut-être qu'on peut prendre ça, on peut verrouiller ça et prendre ça. Ouais, c'est carrément rentable même. Les chances de crit, on est à 23. Et on cherche les chances de crit. Moi je dis on prend ça et go quoi. Je n'y pensais mais du coup je serai là à coup sûr pour le 2. Ah c'est cool, ça fait plaisir. Bah écoute, on finit cette run et après on va manger. On va manger devant le Dokudeki. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de sondage. Pas de sondage, je choisis. Je choisis le Dokudeki. J'avais envie de me faire ce docu depuis un petit moment. Et puis on avait dit qu'on le ferait vendredi. On est vendredi. Donc je fais ce que j'ai dit. Je suis bloqué là, non? Ouais. Sors de là. Ces x2 là, faut les prendre, hein, mec. Les x2 au milieu là, c'est dangereux, mais faut y aller, hein. Faut y aller là. Faut y aller là. Pourquoi je m'énerve? Non, mais je m'énerve pas vraiment. Ouais, bébé. Ok. Ça tient. Ça tient, mais c'est pas fou, mais ça tient. Moins 25. Plus de régène, peut-être, hein. Ah, myrte. Non, c'est pire. Dégâts à distance peut-être. De la vitesse, un peu plus de vitesse. J'ai quand même 25 de vitesse. Voilà, des dégâts à distance. On va faire moult dégâts. Des chances de crit, moins 1 d'armure. Ouais, tout est bien là. Je peux pas tout acheter par contre. On va prendre ces deux trucs là, je pense. On va prendre ça, ça et ça, on va le garder. Par contre, celui que je t'ai envoyé, j'espère que tu vas pas le passer quand je serai pas là. De quoi? Dégâts, c'est oui. Toujours, toujours. De quoi tu parles, Akiro? Ah oui, le documentaire, oui, bien sûr. Non, j'attendrai que tu sois là, évidemment. Je le proposerai en sachant que tu seras là, d'accord? Oui, bien sûr. Non, quand même. Quand même, je ferai pas ça, je te ferai pas le coup. Non, je le proposerai. Je le proposerai au vote que en sachant que tu es là. Sinon, je le proposerai pas. T'inquiète. Oula. On se calme. Respire. Respire. Esquive et respire. Voilà. L'appât du gain. L'appât du x2 a failli être rédhibitoire. Ah, je les déteste, ouais. Zéro. On a zéro caisse, quoi. Zéro caisse. Ah, je parle pas de toi, zéro, hein. Zéro caisse.
D'accord. Ok, on a pété 12 arbres là et 0 caisse. Bah, va bien te faire voir, dit le jeu. Avec un grand sourire. Par contre, 704, on a combien de récoltes là? 500 de récoltes, nom de Zeus. C'est incroyable. Vol de vie plus 3, mais c'est un peu tard là. Toujours plus d'esquive peut-être? Ou des dégâts? Comme de par hasard. Comme de par hasard, ouais. Alors attends, des dégâts en plus? On part sur des dégâts ou de l'esquive? Ah, j'hésite. Bon, la récolte, on s'en fout. Je pense que là, on a assez de récolte. Le saviez-vous? 0D a réglé son micro. Waouh! GG! Voilà! Là, c'est pro! J'ai cru que ça allait pas marcher. Je t'ai obligé, 0, hein. Comme quoi, tout arrive. Hein. Bon, alors, esquive ou dégâts? C'est normal. Streamer professionnel, ça y est. Tout est parti. Tout est lancé. C'est beau, ça. Je partirai surtout... Est-ce qu'il a mis un compresseur? Est-ce qu'il a mis le compresseur de OBS? Ça, là, c'est ça. Ah non, mais faut qu'il mette un compresseur. Esquive 9%. Les dégâts. La meilleure défense, c'est l'attaque. Esquive et dégâts, mais merci Poney. Toujours plus d'arbres. Toujours plus de dégâts. Plus de randomisation gratuite. Ouais. Du vol... Non. Ouais. En vrai, je me demande. Je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que je combine? Ouais, bah, on va faire ça. Je dirais qu'on va combiner ces deux. Je pense que c'est rentable de faire ça. Ça. Ah merde, mais je suis con. Non, c'était pas rentable. Fait comme ça, c'était pas rentable. Mais vous avez compris, quoi. Et un peu d'armure. On continue à mettre de l'armure. Et on s'en va. Bah, plus de vitesse, ça va, c'est bon, ça suffit. Là. Et de la portée, j'en ai combien? 122. Ah oui, non, j'ai assez de portée. Hein. Il n'y a pas besoin de portée. Je pense que je tape tout le monde d'assez loin pour... Aïe. 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 Aïe, 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 sors de là, sors de là. Cours, 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 prends la clé. Pardon. Je suis dans la sauce là, je suis dans la sauce. La sauce. La sauce béarnaise là. Waouh, waouh, waouh. Ça commence à ramer du cul. Ils sont horribles. Au secours. Ils sont horribles. Ils sont horribles ceux qui me foncent dessus avec l'armure là. Ah, c'est horrible. Ça disait même pas que fait chier. Putain, fait chier. Ah non. Et qu'est-ce qu'il faut faire, bordel? Ah, les lance-patates de merde. Faut pas. C'est la lance-patate, c'est nul. C'est nul le lance-patate. Mais moi aussi, je croyais en moi là. J'y ai cru pendant un moment, mais je me suis fait défoncer à chaque fois. Arrêtez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais eux... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un... Est-ce qu'on ferait pas un petit fermier ingénieur? Voilà. Oh non! Terrible. Terrible le... Ah mais non, ça, vous le refaites? Tu en refais? Il en refait? Non. Ah ben merci, quoi. Un nouvel prédit, quoi. Il s'arrête jamais, hein. Allez, je vais essayer de faire une dernière partie. Une dernière. Là. Ça fait quoi? 1h09? Allez, 1h09 de plaisir. Putain, j'y ai cru. On avait quand même des trucs, là. Il attaque tous les 1000 ans avec ça. Elle est où, ma... Ah, elle est là. C'est une très mauvaise idée en vrai. Ah, oh, je suis deg. En vrai, je suis deg. Hein. Là, tel que vous me voyez, je suis deg.
là, terrible. Des points de mêlée. Des PV max. On va essayer de jouer la régène, un peu de régène. Vitesse d'attaque, on s'en fout. Moult clé, amolette. Un pistolet médical peut-être. Pour le soin quoi, maintenant j'ai peur. En vrai j'ai peur. Non, on va pas partir là-dessus. Tant que ça fasse des dégâts aussi, mais... Oh là là, salut Fritzy. Comment ça va mon Fritzy? J'espère que tu vas bien. Ah oui, c'est vrai que... On va pas être... Elles vont pas être au même endroit, ça c'est dommage. C'est l'ingénieur justement. Qui fait popper des trucs. Bon désolé, je me suis un peu énervé là, mais... Oh merde quoi. C'est trop dur là. Tu sais, j'avais 25 de vitesse en plus. Je me disais, mais j'arrive pas à esquiver, c'est pas possible. Le problème, c'est que je les vois pas arriver, les gros qui arrivent là. Et qui ont... En plus, ils ont de l'armure, ils meurent jamais. Et parfois, ils vont plus vite que moi et du coup, je reste avec eux. Il faut que je me décale, mais c'est trop compliqué parce qu'il y en a 14 sur le côté. Vraiment terrible. Ingénierie à plus. Et de la régène. Toujours plus de régène. Les shurikens. Pourquoi pas, on peut faire un ingénieur, un fermier ingénieur, un ninja. Voilà, on va jouer la chance. On joue full chance, full ingénierie. Merde, dommage, j'ai pas assez. Full chance, full ingénierie, ça c'est pas mal aussi. Ah, dégâts LM, ça peut peut-être être utile quand même. Bon, c'est pas grave, on verra. Allez, je vais essayer. Où sont mes... Voilà, il y en a moins de deux là. Je vais là où il y en a deux, pas loin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, allez. Allez, on pop. Allez, on fait popper du... Allez, 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 allez. C'est vrai que le fait qu'il lâche quand même... Ah, tout à l'heure, on était tellement bien en termes de récolte là. C'était ouf. 500 on avait quand même. Truc de ouf. Tellement de pognon, à la fin. Incroyable. Ok. Avec tes emotes d'encre là. C'est pas gentil, hein. C'est cool que tu vas bien, mon cher Fritzy. Des critiques de la récolte. Vas-y, on va prendre de la récolte. Avec les plates. Toujours plus de tours, elle. Ok. Ils sont là. Toujours plus de tours, elle. Gagne ou il perd? C'est une bonne question, ça. Aïe. Petite boîte matinale. J'ai mal. Vite! Non mais, pars pas. Meurs. Merci. Tu mets les points de chaîne peur dimanche. Ah, il faudrait que j'en refasse un autre parce qu'il était, il était pas... Oh oui! Je prends. Ça aussi je prends. Ingénierie. Toujours plus d'ingénierie. De la chance. Est-ce que les dégâts... J'ai parié sur ta win. Ne perds pas s'il te plaît. D'accord. Je vais essayer, hein. Mais là, c'est la troisième mort qu'on a ce matin, là. C'est difficile. Après Dokudeki, quoi qu'il arrive. Hein. Ok. Dégâts LM. Votre vol de vie, bof. Oh, mais là, attention, là. Attention, le jeu. Je vais pas m'en plaindre, mais... Je mets pas la pression, cela dit, hein. Ouais, parce que t'es plus abonné chez Ancre, c'est ça? Soleda? Allez les petites! Allez les tourelles, c'est parti! Le fermier ingénieur, quoi.
Pourquoi pas, hein. Charles Ingalls. Le Charles Ingalls du MIT. Charles Ingalls au MIT. Diplômé à MIT. Récupère des trucs. 142, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, Jérémy. Ah, mince. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Des esquives et de la récolte. Et des dégâts de mêlée, des dégâts de distance, on s'en fout. On va partir sur des... On va partir sur de la vitesse et de l'ingénierie, en fait. De dingue. De dingue. C'est parti. Et du coup, ça scale sur les dégâts... attends. Ça doit être écrit là. 33, j'ai un qui tire des balles perçantes. Non, c'est ça qui fait les dégâts de brûlure. Dégâts de brûlure génèrent une tourelle qui tire des flammes infligeant 9 x 8. Mais est-ce que ça scale sur l'ingénierie uniquement? Ou est-ce que ça scale aussi sur les dégâts élémentaires? Ce serait logique, mais en même temps c'est pas écrit, c'est écrit que ça scale sur l'ingénierie uniquement. Moi je le comprends comme ça, mais si le jeu dit bah non, c'est des dégâts de brûlure, ça scale avec les dégâts élémentaires aussi. Et je trouvais ça étrange. Aïe. J'ai foncé dedans là. Je crains pour ma vie. Ouais, maintenant, voilà, et on fait full défense, full tank ingénieur, quoi. Du genre, là, full tank, mais non, mais on s'en fout de tout ça. Filez-moi un truc plus sympa. Full armure, voilà, par exemple. Et PV max. Ouais. Une clé plate. Une tourelle médicale, oui, bien sûr. Merde, j'avais pas assez de pognon. Bon, c'est pas grave, j'aurais peut-être pu prendre ça d'abord. Chance de crit, on s'en fout. Ça, c'est bien. Et ça aussi. Et ça, c'est pas mal aussi. Hop! Allez, c'est parti! Xerda qui continue à narguer Solena. Coucou! Moi, je l'ai! On a un peu plus d'arbres, on va essayer d'avoir les arbres. Il y a des tourelles un peu partout là, c'est sympa. Pour l'instant, le jeu est plutôt généreux en tourelles. En build, en truc d'ingénierie quand même, ça va. J'aime bien rester près de ma tourelle de soin là. Je vous le cache pas. Après, on peut peut-être prendre des dégâts de mêlée, pourquoi pas aussi pour la clé à molette, quoi, mais bon. Pourquoi pas. Mais c'est faire survivre. Y'a pas un truc mieux? Là, je suis sûr que je vais trouver mon bonheur, là. Des PV max ou de l'esquive? Je vais prendre l'esquive, c'est bien. Pas bien vu cette emote, pourrais-tu me la remontrer? Ah, il est dur, ah, il est dur, hein. Un peu de vitesse, un peu moins de portée, pourquoi pas. On peut randomiser ça et voir. Ouais, ça c'est pas si mal. Je garde tout là? Ouais, pourquoi pas. Allez, ok. Pourquoi pas, c'est pas du tout un mauvais bail, hein. Mauvais call. Bon, il faut de la vitesse, parce que... Mais... Mes petites tourelles, elles font pas non plus dégâts de dingue. C'est quoi celle-là? C'est des dégâts de... C'est le soin? Ah non, c'est le laser celui-là. Ouais, le soin. Comment ça, plus 1? Je suis 11 à... Ah non, plus 3. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable? Pas sûr. Rien n'est moins sûr. Ah, j'arrive au coma. Plus 3.
Je me demande si... Non, je peux aussi faire pause. Hein. Coucou Mokoma, je sais pas si tu vas bien. Reprendre. Putain, à chaque fois que je sors de pause, c'est toujours la même histoire. Je sais jamais dans quelle direction je vais et ce que j'étais en train de faire. En termes d'esquive, je me fais défoncer. Coucou. Coucou Mokoma, oui ça va oh, c'est chouette alors. 15 PV max. La vitesse des ennemis en plus, non. C'est très tentant 15 PV max, mais là... Le fait qu'il soit plus rapide, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, vas-y, je prends. C'est trop dangereux. De la chance, des PV max. Bon, on va prendre la chance. Aussi, la chance, c'est... Ouais, j'ai pas de vie, là. Ça, c'est bon. Je prends tout, en fait. Je peux ? Peut-être pas, en fait. Un peu de vitesse aussi, ouais. On va se voir, sinon. Des chances de crit, les ciseaux. Est-ce qu'une tourelle en moins, ça va changer quelque chose? Parce que je peux peut-être... Je peux prendre un ciseau, en vrai. Parce que 37% de vol de vie, c'est toujours mieux que rien. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas... Jérémy, il faut engueuler Serda. Parce qu'il a... Il fait... Arrête Serda, maintenant, ça suffit, hein. Pas parce que t'as une épée que tu peux faire tout et n'importe quoi. Hein. Pas parce que Soléna a une épée qu'elle veut faire la bagarre. T'as compris? Ouais, le coup 10% de chance critique. Ouais. Mais non, mais là, ça scale pas là-dessus. La vérité... Et ça, c'est combien? 80% des dégâts... Dégâts de mêlée. Ah ouais. Bah oui. Ah, ça c'est mieux ça. Non mais ça y est, il est... Il est possédé, cet homme est possédé. Il a une épée, il est possédé. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je combine? Est-ce que je combine? J'ai envie d'essayer. Les chances de crit, non. Ah. Ok. Il faudrait récupérer de la chance aussi. C'est vrai que les 15 de chance de tout à l'heure étaient peut-être salvatrices. Après, je peux rester par là et espérer voilà espérer survivre, rester dans un coin et survivre. Mais c'est eux là, c'est eux qui font chier en fait, parce que ils ont beaucoup de vie. Ok, ah, il doit y avoir des fois deux là. Ah oui, on ne one-shot plus les arbres, c'est vrai. Attention, Jamy. Merci cordialement. Ok. Jusque là, ça va à peu près. Ingénierie plus 2, oui. Vol de vie. Non. De l'esquive, des chances de crit. Plus d'esquive peut-être, pourquoi pas. Après ingénierie, ouais, t'as pas mieux. Centre de portée, dommage, un beau plus 4 quand même. Un beau 4 je veux dire. Vitesse, ouais. C'est utile en vrai. Petite clé plate, du plaisir. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ah. Récolte le bébé. Récolte le bébé. Ouais. Shuriken. Un pistolet médical, oui. Ok. Des bisous Mukama, merci d'être passé en tout cas, c'est gentil. Bonne journée à toi. Des zibou.
La sangsue était pas mal en vrai. Peut-être j'aurais dû prendre la sangsue. Elles sont où les... Il y en a beaucoup là. J'aime bien ici là. Je crois qu'on peut faire le tour parce qu'il y a quand même pas mal de... Ouais, c'est pas moi qui tue hein. Il faudrait vraiment qu'on one-shot les arbres. Il nous faudrait une chemise. Chemise de bûcheron, hein, c'est ça? Oh là 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 là. Rache, je... Je suis pas serein, en vrai, je suis pas serein. Le fait de d'avoir quand même toutes les... comment t'appelles ça? Toutes les tourelles au même endroit avec l'ingénieur, c'est ce qui rend, je trouve, les builds ingénieurs forts. Et le fait que ça soit tout réparti... Une dédicace donnée à Zero, c'est beau ça. Tout à fait. Recycler. La vitesse. Ah, pas ingénierie. Ingénierie, bien sûr. Autant pour moi. Il nous faut de la vie. La récolte, de l'esquive, de la chance. De la chance aussi. Ce qui nous fait les dégâts. Hein. Là, on est passé à combien de... On a 42% de régène, c'est pas si mal. Ah! On discute. Ça, c'est pas si mal aussi. On a un peu moins de chance, mais... Ah, le tournevis! Pas pensé à... Le tournevis aussi, ça marche, c'est vrai. Ah! La poussée aussi, c'est pas mal. En vrai. On peut se défendre. Allez, je vais rester là-dessus. Faut aller follow zéro! C'est un alchimiste de qualité, je recommande. Plus de problèmes de libido avec zéro day. Non, plus rien. Ah là là. Vous pouvez me croire, c'est un alchimiste incroyable. Il résout tous les problèmes. Zéro résout tous les problèmes. Il y a zéro problème. J'ai zéro? Zéro problème. Zéro blabla, zéro tracas. C'est la maf quoi. Zéro c'est la maf. Ouais. Ouais ouais, cassez-vous bien en fait. Ah bah les tourelles elles sont nulles hein. C'est nul les tourelles. Vous faites aucun dégât les tourelles là. Allô là. Eh ouais, faites un truc là. Allez allez, aidez-moi. Faites-moi gagner hein. Je compte sur vous hein. Non mais là je vais mourir. Bah oui. Bon allez, j'en ai marre. Il m'a saoulé. Ingalls, il m'a saoulé. Ah oh, dommage. Non mais j'étais encore sur la... C'était trop dur, je suis déçu, ouais je suis désolé Freezy, mais là j'ai pas trouvé la faille. J'ai pas trouvé la faille du bon build pour le... J'ai mal construit mes builds ce matin, ça n'a pas fonctionné. Et le résultat est, il perd. C'est terrible. Mais en même temps vous étiez 63% ne pas croire en moi, et voilà, j'ai senti l'énergie négative. Et voilà. C'est de votre faute hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Vous êtes au courant? Bon YouTube! J'espère tout de même que cette épopée avec Charlie Ingalls qui a tenté de changer d'études, de faire ingénieur explosif, ingénieur en tourelle, ingénieur en tout ce que tu veux, t'as tout de même plu malgré tout. On va la voir ce Charlie Ingalls, on va le passer le Charlie Ingalls, promis ce qui t'est. Prends soin de toi YouTube en tout cas, mets un petit pouce bleu si ça t'a plu malgré tout, malgré la défaite. Terrible. N'hésite pas à lâcher ton petit abo si tu as envie de voir d'autres aventures de ce genre. Et je te dis à plus tard. Au revoir YouTube. Prends soin de toi. Ah ouais. Bye bye.